Antoine, le batteur de La Strain. Moi c'est Jean-Noël, le chanteur et guitariste. Et on est un groupe de rock'n'roll brut et honnête. Normalement on est plusieurs, mais là on est déjà plusieurs, mais normalement on est quatre en fait. Voilà. Mais on est que deux. Il nous manque Julien. Il nous manque Julien, Pelletier, guitariste. Et Timothée Gérard, bassiste. On est content parce que là on est sur une grosse tournée d'automne, donc en fait pour nous c'est pas un événement isolé, en fait pour nous c'est une date de plus sur la tournée. Mais ensuite on est toujours content de venir sur Paris, surtout que là ce soir c'est à la Boule Noire, alors c'est un assez petit club, ça joue pas mal fort, les gens seront bien serrés et tout ça, donc c'est chouette, on est content. Tournée d'automne. On a encore plein d'apéros qui nous attendent. On a encore une trentaine de dates là jusqu'à la fin de l'année. Donc ça tourne pas mal en ce moment. On adore ça aussi. On dit beaucoup de nous qu'on est un groupe de live, mais c'est parce qu'on le cherche beaucoup. On part là, on a fait 100 dates cette année sur l'année 2015. Ça se travaille. Il y a la préparation d'un album qui est en cours pour l'année prochaine sans doute, mais pour le moment c'est pas la priorité numéro une. Qui nous accompagnait le long de la traversée. Nous sommes Radio Elvis. Moi je suis Pierre, je chante et je fais de la guitare dans Radio Elvis. Moi c'est Colin, je fais de la batterie et synthé dans Radio Elvis. Et moi c'est Manu, je fais de la guitare et de la basse dans Radio Elvis. Nous sommes au Mama Festival, parce que nous avons été programmés au Mama Festival. On est super contents, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué à Paris. La Boule Noire, on y avait déjà joué il y a un an. On est content d'y revenir, c'est une salle plutôt rock'n'roll. On joue avec La Strain et Roscoe, et La Strain c'est devenu des copains la semaine dernière parce qu'on a fait la tournée des Inouïs avec eux. Et du coup, bah, on est plutôt content de jouer à domicile. Là-dessus, et on se concentre aussi sur notre album qu'on a enregistré début septembre à Bruxelles. Et là, on est en train de continuer à travailler sur l'album, de ressortir l'année prochaine. On espère pour le printemps, mais on ne sait pas. Donc, on est en train de travailler dessus. Et puis, c'est déjà pas mal de projets, ça, je crois. Il y a un an, on était venu au Mama pour. On n'était pas programmé, mais on était venu au Mama pour recevoir le fer. La remise des prix avait eu lieu pendant le fer. Pendant Mama Festival, pardon. Et c'était il y a un an, et cette année on y joue. Pendant cette année, il s'est passé plein de trucs. C'est un peu l'occasion de faire le bilan de cette année pour nous. Et on est super fiers d'être programmés à côté de tous ces beaux artistes.